On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Semble passer pour Bouledia qui est enfin de retour à la Salernitana après la trêve internationale qui s'est blessée lors du rassemblement de l'équipe nationale du Sénégal n'est jamais rentré à temps à Salers. Il séjournait en France et avait refusé de retenir au club évoquant des problèmes familiaux personnels. Pour rappel, l'attaquant de 26 ans est en mauvais terme avec son club actuellement depuis l'échec de son transfert à Wolverhampton lors des derniers instants du mercato estival. Un an après son arrivée dirigé par Oliver Kahn en Bavarois, Sadio Mané parti du Bayern Munich pour Al Nassr en Arabie Saoudite. Un départ du Sénégalais qui a précédé de peu celui de l'ancien gardien de but allemand du club bavarois désormais libre de ses responsabilités car il a rencontré Sadio Mané en Arabie Saoudite en visite dans les installations d'Al Nassr. L'Allemand a publié une photo de sa rencontre avec la star sénégalaise mais aussi Cristiano Ronaldo, le coéquipier de Mané. On imagine que les deux hommes n'avaient pas eu l'occasion de discuter, le divorce consommé il y a quelques mois. Julian Draxler n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain, le milieu offensif allemand s'est engagé avec le club qatari d'Al Ahly jusqu'en 2025, indésirable au Paris Saint-Germain, qu'il a rejoint à l'été 2017 contre 36 millions d'euros. En provenance de Wolfsburg va poursuivre sa carrière au Qatar. À l'instar de Marco Verratti, l'international allemand a signé un contrat de 2 ans, jusqu'en 2025, avec Al Ahly Division 1 qatarienne. Le montant de ce transfert n'a pas été dévoilé, mais le PSG devrait encaisser aux alentours de 20 millions d'euros selon la presse. Le milieu offensif n'était déjà pas dans les plans du champion de France depuis un bon moment. La saison passée, il a été prêté au Benfica.